Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode du Joueur du Lycée. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Eva. Eva, comment vas-tu? Très bien. Très bien, impeccable, tu es en quelle classe? Bac Pro 2. Bac Pro 2, terminale, tout va bien. Allez, Eva, dis-moi tout, quel est le jeu que tu m'as apporté? Donc moi, je vous ai apporté Sonic sur Mega Drive. Ah, bah voilà, une fille qui a du goût. Sonic The Hedgehog sur Mega Drive, c'est sorti en 1991. Eh bien oui, on va pas le présenter, hein, tout le monde le connaît, hein. Qu'est-ce que tu vas me donner comme défi sur ce monument du jeu vidéo? Donc le défi à réaliser sera de ramasser 3 émeraudes. On va ramasser 3 émeraudes. Eh bien écoutez, on va essayer de faire ça tout de suite. Tu es prête, Eva? Oui. Allez, on est parti. Ah, on est parti avec notre bon vieux pote Sonic. Eh bien écoute, 3 émeraudes du chaos, on commence avec la Green Hill Zone. On est parti. Ça a fait longtemps que j'ai pas joué, alors bien sûr je connais ce jeu, hein, mais ça fait très longtemps que j'ai plus rejoué. Allez. C'est le plus simple. Ah oui, mais alors attends, si mes souvenirs sont bons, oui, il faut que je ramasse 50 pièces avant de terminer le niveau pour pouvoir avoir accès à la... Ah ouais, d'accord. Bon, bah alors faut pas faire n'importe quoi. Ouais, elles sont facilement ramassables. Ouais. Oulala, oulala. Là, j'en suis à 39, oula. Voilà. À 57. Bon, bah là, je finis le niveau et c'est bon. Oui. Allez, on se concentre. Oh oui, c'est bon. Alors, là, normalement, ça veut dire que j'ai accès à la zone de la première émeraude du chaos, c'est ça? Non, il y a encore un passage, normalement. Ouais. Non, mais là, ça y est, là, ah je non, suis là. Ah non, là, c'est bon. Alors, oh là là. Maintenant, il va falloir aller la trouver. Elle est là. Non, pas goal. Oulala, là là. Faut pas que j'aille sur le goal, ça je me rappelle. Hop. Pff, oh là là, c'est chaud. On va attendre. Oui, ça y est, c'est bon. Et d'une, voilà. Eh ben, c'est bien. Ça va le faire. Non, bah alors ça, en général, tu sais, t'arrives à te viander en tombant directement sur le, oui, la ligne sans l'avoir récupéré. Mm. Moi, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être compliqué. Enfin bon, bref, allez, go. Je serais plus du genre à prendre beaucoup d'élan à partir de là et la foncer. Merde. Moi, j'aime bien, ça transforme en lapin. Quoi? Quand ah oui, oui, bah oui, on délivre les petits animaux, oui. Sonic est gentil. Allez. Et là, vous avez un truc dans le... Ah, mais tu t'en souviens bien, quand même. Bah oui. Bon, allez, 45. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Faut que j'arrête de vous aider, c'est pas vrai. Ouais, tu peux me tutoyer, ah oui, au fait, oui. Hein, on n'a pas précisé ce petit point, mais c'est permis. Oh non! J'ai pas sauté dans le truc? Oui. Oh purée. Bon. Purée, je suis con. Et ouais. Ça va, hein? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les souvenirs là? Non. Parti. Ah non, mais ouais. Ah non, j'ai pas fait la boule. Et voilà. Zéro, zéro, zéro. Non, mais zéro. je vais me refaire une petite santé, t'inquiète pas. Faut bien suivre le truc qui tombe. Oh, c'est pas un timing de fou, ça? Ah, carrément. Ce qu'il y a, c'est que là, pour ton défi, il faut presque que j'y aille tout doucement. Et bah voilà. Pour se rappeler du jeu. Bah non, surtout pour pas louper les pièces, pas me faire toucher bêtement par un ennemi. C'est ça, moi, qui me turlupine. C'est pourtant un jeu simple. Oh, tu sais, pas si simple que ça, hein. Franchement, de l'époque, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'enfants qui l'aient terminé. Ah oui, oh oh oh. Robotnik. Attends, je me souviens. Il y a une technique. Voilà. Non! Oh non! Bon, bah écoute, hein, allez, on va essayer juste de te battre. Allez, viens là, mon grand. Ah bah oui, ça y est, je m'en souviens. On va pas prendre de risques, hein? Hop là. C'est bien, c'est la bonne technique. Ça y est. Ouais, mais là du coup, une ring.
Et de toute manière, je sais pas si là, bah non, là, on sauve les petits animaux, là. Oui. Pof, allez, voilà. Les petits lapins, c'est Pâques. C'est Pâques, il y a des lapins, il y a des petits pingouins, des petits oiseaux, c'est magnifique. Eh ben, tout se passe bien pour l'instant. Oui. Hein? Oui. Reste plus qu'à rattraper les émeraudes. Putain, ouais. Toc, toc. Oh non. Ah, ça va, j'avais le bouclier. Pas me tomber dessus, celui-là. Ok. Ah, c'est bon. Oh, j'allais dire, on en est à 43 rings, il reste quasiment plus rien. Et ben non. Ah non. Ah, je peux pas, ben non. Bon. Tant pis. J'ai encore raté les 50 anneaux. Enfin, je me suis fait toucher bêtement, c'est bête. Ah oui. Mais bon. Pas se faire surprendre. Bah écoute, hein, on va finir le jeu, tant pis. À défaut de... Qu'est-ce qui va se passer, là? J'aime pas mais trop là, la lave. Il va falloir aller plus vite que la lave. Ah, c'est dégueulasse. Pouf. Il faut pas stresser. Non, je stresse pas. Tout va bien. Tu peux encore arriver, là? Oh, pff. Bien joué. Je me suis fait avoir comme un bleu. Chauve-souris, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais attends, c'est une blague. Oh, reviens. Waouh. Waouh. C'est bon. Allez, il faut faire des petits lapins. Mais c'est pour ça que les filles aiment bien Sonic, c'est parce qu'il y a des petits lapins dedans. Voilà, et qu'il y a des oiseaux. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ce niveau? Oh, on dirait le niveau final d'un Marion. Non mais attends, d'un Marion. D'un Marion. D'un Marion. Tu connais pas Super Marion? Non, je connais pas. Quoi? Arrête de penser à ton portable, ça va s'arranger. Oui, parce que notre caméraman a fait tomber son iPhone dans de l'eau. Voilà. Et je lui ai dit qu'il fallait le mettre dans du riz. Alors si ça vous arrive les jeunes, pas de panique, prenez un sac de riz, mettez du riz cru, attention, dedans. Pas cuit. Pas cuit, sinon. Et laissez-le pendant 48 heures. Vous verrez, ça va absorber toute l'humidité, ça va réparer votre truc. C'était le tuyau de Jojo. De Jojo. Oula. Non, pas maintenant, tu dois être là. Oh, pff, magique. Est-ce que tu as vu ça? Oui, voilà. Bien attrapé. Hop, hop, hop. Non, mais c'est super tendu le truc là. Il se passe plein de choses. Oui, oui. Il y a plein de piques et tout. Là, faut y aller, par contre. Ah, ouais, ouais, on y va. Oh non. Attention à la chenille. Attaque! C'est bon. Ah, j'ai pas perdu grâce au bouclier mes rings. Alors ça, c'est bien. Je regarde quand même. Hein. J'ai vu des piques. Putain. T'as loupé. Comme les speedrunners, vous savez, je fais des... Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vois qu'on peut y aller, alors à mon avis... Ah bah... Non, non, voilà, c'est bon. C'est drôle, Sonic, comme on se jetterait dans le vide pour récupérer une pièce. Bien, bravo, impeccable, super. Yeah. Et donc, t'as bien joué. Bloqué. Qu'est-ce qu'on fait, là? On se jette dans la... Par là, c'est pas possible. Par là, non plus. Est-ce que par là, c'est possible? Non. Eh ben écoutez, on va... Se suicider. On se suicide. Ouh. Ah, mais c'est pas fini. C'est fini. Bon, allez, on est mort. Il me reste une vie. Mais ce qui est bien, c'est que Sonic supporte beaucoup la lave. Ah oui, oui, mais c'est un... Ouais. C'est un super hérisson. C'est un super hérisson qui a pas froid aux... Zépine. Je voulais faire une rime, et puis j'ai dit laisse tomber. Hop. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas si. Entre les pics et les chenilles... Non, mais là, tu sais quoi, je suis plus parti dans un... On va finir le jeu. Puis voilà. Ah oui. Et là. Et ça là. Ça va être compliqué. J'ai peut-être même le temps de le toucher deux fois. Hein. Oh oui, j'ai le temps de le toucher deux fois. Eh ben... Voilà. Non, mais c'est pas le... C'est, comment dire, c'est pas le talent, là. C'est ce truc de pièce à avoir... À garder 50, et puis... Allez, on sauve les animaux. Allez. Allez. Bon, bien nous voilà bien avancés, mais j'ai qu'une émeraude du chaos.
Et oui, c'est dommage. Ce niveau est un peu... Oui, alors les barres ne sont pas palpables. Ah, mais ouais. Les barres sont pas palpables. Ah oui, là, attends, faut bien réfléchir. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes fait pincer. Pincer ? Non, c'était pas une boule de la guêpe ? Non, ou un truc comme ça ? Un des deux. Non, je l'ai pas vu ! Vite, rattrape mes pièces. Alors le but, c'est d'avancer, pas de reculer. Ouais. Mais attention, parce que je vais me fâcher, là. Wow. Elle rigole pas, celle-là, non plus. Oh, salope. Désolé. Oh, okay, et c'est deux. Fils de pute. Oh, non, mais... Trois. Attends, je... Non. On se casse de là, ça pue. Ça pue. Ils me font penser à des Pokémon, ceux-là. Ah oh là là, à chaque fois, je me fais avoir. À des Pokémon, oui, bah de toute façon, tu sais, maintenant, les dernières générations de Pokémon, ça ressemble plus vraiment à grand-chose. Tu peux tous les avoir, Phoenix, Donkeytron, Pingouin, Chaussure, Lampton, collectionne-les tous, tu pourras devenir un grand maître, Chimpoko Extramon. Ça doit faire mal, tout à fait, Thierry. Attends, oh, pop, non. Yes. Attention, on va jouer pour la deuxième émeraude. On se calme. C'est complètement psychédélique quand j'y pense. Totalement. Non. Mais c'était bien joué. Merci beaucoup. Ça me fout la mort. Ils louchent les crabes, t'as vu? Oui. J'aurais préféré que tu me dises finis-le en une heure et demie. Aïe. Non. Alors est-ce qu'ils louchent? Oui, il louche. Ouais, il y a un léger strabisme quand même. Oh, salaud. Faut pas le prendre comme ça. Tout de suite. Il a pas bien aimé l'insulte. Ouais. Il y en a deux, c'est génial. Oh, c'est génial. Quel est bigleux le caméraman. Oh, le caméraman, ouais, il est... Il nous a pas coûté cher ce soir. Ça fait 20 minutes que je suis là, j'en peux plus. J'attends que la plateforme elle redescende et que je fasse le bonbon. Voilà. Le bon saut. Le bonbon. Un bon, du verbe bondir. Mais impeccable. Eh bah bravo. Non mais attends, ouais, non mais là j'avoue, je suis pourri. Attention, ça va plus vite, hein. Ouais, j'ai vu là, hein. Et là, ça va moins vite. Et il y en a deux. J'adore. Il y a quoi, il y a... Oh ouais, il y a un copain là. Un copain, tiens. Hop. Qu'est-ce que tu me fais? Ah ouais, ça c'est sympa, ça, de faire ça. Est-ce qu'il sort son petit truc juste... Ah ouais, non, j'ai pas le temps. Ah, c'est chaud, hein. Ah, je l'avoue. Pff, non, mais j'aurais mieux dû calculer les blocs qu'il prenait. Ça, il est concentré. Non! Bien fait. Je suis rouge? Pourquoi? Non mais enfin, c'est lourd. C'est rouge mais sur la vidéo. Mais... En vrai, je suis rouge mais pas dans la vidéo. Ouais, mais j'ai bien vu. C'est les nerfs en fait. Non! Je reprends, je m'en fous. Alors là, non. Attends, juste pour une pièce. Oh non, je peux pas prendre la vie. J'ai pas pris l'anneau. Non, mais y'a un problème là! Franchement! Vous sautez plus haut! Bon, alors on va prendre de l'élan, ok? Et je saute maintenant! Voilà, je l'ai eu! Cette fois, c'est bon! C'est horrible! Surtout que c'était. Voilà, c'est bon, c'est bon! Drôle. Une émeraude, une! J'en ai une! Allez! Je vais bouffer du hérisson ce soir! Si j'en vois un sur la route. J'ai pu passer des après-midi dessus. T'as passé des après-midi dessus? Ouais. Non. C'est pas vrai. Tu t'es vu quand t'as essayé d'attraper une émeraude? Attention. C'est pile à ce moment-là. Mais elles sont toutes super loin les... Attends, mais... Quoi? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? T'as vu? Il s'est passé quoi? La coccinelle, elle a touché.
La coccinelle, elle a touché. La coccinelle, elle a touché. Il s'est rien passé, il y a eu un gros bug. Je l'ai pas touché. Eh ben, faut pas toucher les animaux. À moins de les taper. Vous avez entendu Brigitte Bardot. Touchez pas les animaux. Hop. Hop. Pop, 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 pop. Impeccable. Et voilà. Et là, game over. Il avait un bouclier. C'est pas abandonné. Ouais, bon. Bon, bah écoutez, va de toute manière, là, j'aurai pas le temps, parce que, ouais, non, au niveau timing, ça y est, je me suis fait avoir. En plus, je viens de louper l'anneau, j'ai bien les boules. On va s'arrêter là, bien joué. Bon, bah, Eva, bien joué, hein, tu m'as bien mis du bâton dans les roues, j'ai pas eu le temps, donc, de pouvoir récolter les 3 émeraudes du chaos, j'ai la honte, tu peux même pas t'imaginer. Mais bon, bref, on va pouvoir passer à ton défi, hein, si tu es d'accord. On va remonter dans le temps de quelques années, t'es prête? Allez, voyage dans le temps, on est parti. Eh bien voilà, on est arrivé sain et sauf de ce petit voyage dans le temps, 5 ans plus tôt, en 1986, avec ceci. Eva, sais-tu de quoi il s'agit? Oui, une console. Voilà, une console de jeu, bravo Eva! Pour être tout à fait exact, il s'agit de la Master System 2ème génération. Et j'ai pas de jeu à te montrer, pour la bonne et simple raison, eh bien que, à l'époque, hop, on n'avait pas besoin d'insérer de cartouche, on démarrait la console sans rien du tout, et hop là, ce petit personnage pointait le bout de son nez, il s'agit d'Alex Kidd. Je vais te lancer un défi très simple sur ce jeu, que beaucoup de monde connaît du coup, étant donné qu'il était implanté à la console, qui va être de terminer les 3 premiers niveaux de ce jeu. D'accord. Ok ? Tu penses que tu peux le faire ? Oui. Bon, ça devrait le faire. Allez, je vais te laisser ma place, et on est parti ! Donc oui, Alex Kidd, Miracle World, sorti en 1986, appuie sur une des touches, Eva. Voilà, on est parti. Premier niveau, connu de tous. Donc... voilà, ce petit garçon, ce petit homme singe, voilà, qui a un point complètement disproportionné quand il donne un coup de poing. Voilà. Donc, tu vas devoir arriver jusqu'au 3ème niveau et le terminer, bien sûr, ok? Bah, sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. C'est notre première mort. Ah oui, là, il n'y a pas de deuxième chance comme Sonic, il n'y a pas d'anneau, là. Il faut toutes ces... faut faire gaffe. On a un nombre de vies limité et... si on se fait toucher une fois, boum, ça y est, c'est fini, ok? Tu peux leur donner des coups de poing aux oiseaux, hein? Non, mais non! Si, pourquoi tu as tué les oiseaux? T'as déjà vu des... alors, si un jour tu croises des oiseaux de cette tête-là, s'il te plaît, si tu peux fouler un coup de poing. Yeah! Je crois que tu veux la jouer à la Mario style, tu vois, tu veux leur sauter dessus. Bon, bah c'est bien, les deux, c'est en premier game over, c'est pas grave. C'est pas grave, on y va. Tous les défis sont en 1h30, sans les tailles. Mais on est dans un lycée, je le rappelle, hein, donc on peut pas tout ce qu'on veut non plus. Ah, attention à celui-là, c'est un... c'est un vicieux. Je vais pas y arriver, ce passage. Mais si... faut bien taper dans le centre du bloc, voilà, impeccable. Fais gaffe de pas tomber sur lui. C'est quoi cette chose? La mort. Oui, okay. Alors dans Alex Kidd, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des blocs qui sont tes amis, il y en a qui ne sont pas du tout tes amis, d'accord? C'était donc, bien de prévenir avant. C'est uniquement le point d'interrogation violet te donne soit un bonus, ouais, soit un malus. Okay. Ok. Donc c'est à toi de voir si tu si t'as envie de tenter le coup, tu vois? Mais tu le fais exprès? C'est pas possible. J'ai un petit souci avec les ptérodactyles. Ça fait 8 fois, quoi. Pourquoi tu passes pas de l'autre côté? Bam. Mais là, le temps que tu casses le truc, à mon avis, ça sera... non, je m'en fiche, je... ouais. Ah d'accord, tu veux casser tous les blocs. J'ai un pote, c'est pareil, dans ce jeu, il casse tous les blocs. S'il en a pas cassé un, c'est... ça y est, c'est la fin, quoi. Non. Ne fais pas ça. Pourquoi tu attends pas qu'il aille complètement au bout? Attends. Oh non. Attention, il arrive. Mince, le point. Hop, tu peux te mettre tout à droite, descends dans le trou. Enfin, vas-y, prends ton truc, ouais. Remarque, t'as raison, l'argent, il faut en avoir un petit peu. Bien joué. Parce que, un petit peu plus tard dans le jeu, tu tomberas sur des magasins où tu pourras acheter des articles. Et si t'as pas une thune, tu pourras rien acheter. Comprends? Et zut. Boum, allez, nickel. T'es parce que maintenant, il faut aller sous l'eau. Ah, non, t'es dans l'eau, là, ok? Ouais. Donc, Alexki n'a pas besoin de respirer pour survivre. Ah, il est fort. Mais les poissons, fais gaffe. Oui. Attends. Oui, les poissons, faut pas les toucher, ça j'avais compris. Faut pas les toucher. Game over. Et la grenouille, elle fait alors, attends un peu, parce que reste en bas. La grenouille, tu vois, elle te lance de l'écume, ok?
il y avait une technique qui consiste à se laisser un petit peu remonter, taper un des deux blocs qui se trouve, pas la tête de mort, mais un des deux blocs qui sont juste au-dessus de là où t'es, de t'insérer un petit peu dedans et de mettre des coups de poing, tu sais, tu t'avances un tout petit peu pour essayer de toucher la grenouille, ok? En gros, faut que j'aille taper la grenouille. Ouais, stop! Non, non, bah, attends. Attends, bouge pas. Tu pourras pas, attends, bouge pas. Non! Je suis pas dans le bon sens. Non! Et voilà, il te crache des bulles d'eau. C'est vrai que ça tue pas normalement, mais. Essaye là, t'es bien là. Boum, bourrine-le. Ouais, je suis dead. Ah, excuse, ça marche d'habitude. Ah, bah là, ça marche pas. Ah, c'est bizarre. Bon, excuse-moi, je me tais. Oh, joli, t'as vu ça? Même toi, t'en reviens pas. Yeah. L'oiseau non plus. Il rigole. Tu tentes des choses... Inouïes. Ah ouais, c'est culotté. C'est une expression de vieux, excusez-moi. Moi, je suis très expression des années 87. Non. C'est pas grave. Je suis content parce que tu t'es vite fait au gameplay. Et bon, c'est bien, tu mets pas plus autant de temps qu'avant. La grenouille, t'as pas le temps de passer sous elle et de péter le bloc, tu vois. C'est soit... Yes! Alors fais gaffe, lui, c'est un fourbe. Voilà, boum. Surtout pas, c'est la mort, voilà. Enfin, ça peut être la mort. Ou ça peut être une vie. Tout dépend des blocs de points d'interrogation que t'auras actionné avant. Enfin, c'est tout un bazar. J'espère qu'il pourra pas te toucher. Aïe, 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 c'est bon, vas-y. Descends. Bing. Félicitations. Magistrat, t'as passé le premier niveau, il t'en reste plus que deux. Ah bah, au bout d'un moment. Tu peux aller dans le magasin. Attends, je peux te donner un conseil. Ouais. Ce truc-là, ce passage-là, il faut que tu puisses acheter la moto. Non, je suis... Donc faut que je chope des pièces. Non, faut que tu rentres dans le magasin, je sais plus exactement combien de temps tu en as. Vas-y, rentre. Donc, tu as 140 pièces, la moto est à... Tu as 140 pièces, la moto est à 200. Tu l'as dans le baba. C'est bien. Bon, et ouais, bah sans la moto, ça risque d'être compliqué. Tu peux pas sauter sur les trucs, tu peux te donner des coups de poing à tout. D'accord? Il faut pas non plus tomber dans le marais. Game over. J'espère que vous aimez bien le premier niveau parce que vous allez le voir un petit bout de temps. Les filles jouent en règle générale mieux que les garçons. C'est vrai, c'est connu. Ouais, tu peux acheter la moto. Ouais. C'est trop génial. Alors, te loupe pas. Tu vas juste en dessous de la moto. Si je veux bien avancer. Non, mais il faut que tu lui termines sa phrase. Ouais. Voilà, tu vas sous la moto, tu sautes. Et voilà. Je t'explique, je suis gentil. La moto. Ouais. Alors, quand t'as la moto, eh ben faut faire gaffe parce que les boules rouges, t'es invincible en moto. Tu roules sur tout, tu te prends pas la tête. D'accord? Par contre, les boules rouges, tu genre sautes dessus, faut pas les toucher, ok? Jamais. T'es invincible. Mais fais gaffe, va pas trop vite et fais gaffe aux boules rouges. Je te parle pas des scorpions, je te parle des boules rouges. Saute! T'as juste à sauter là et. Voilà. Tu vois, il est facile ce niveau, il est agréable, il est rapide à faire en moto. Ouais, tu peux lui sauter. Donc tu vois, joue là comme Beckham. Tu peux... Waouh, c'est chaud. T'aurais pu lui sauter dessus, tu vois. Scorpion. Scorpion. Il fait peur. C'est bon. Ton point et vérifie ton extension. C'est chiant de recommencer au premier niveau. Ouais, mais qu'est-ce qu'on était content quand on terminait un genre de jeu comme celui-ci. Oh, mais qu'est-ce que ça devait être long. Ouais. Attends-le. Bien joué. Fais gaffe au barracuda. Non, t'avance pas. Attends qu'il revienne. Tu profiteras du bon moment. Maintenant. Les grenouilles, ça rigole pas, hein. Elles sont meilleures en cuisse. Hein. Ah oui, bah oui. Voilà, là, c'est bon. Attends. Oh non, la chien. C'est la pas du gain qui aura eu ta peau. Alors. Hé, deux. Game over. Non! T'as paniqué, c'est ça? On va pas être trop pressé, j'ai cru que t'allais encore lui sauter dessus. Tu lui as sauté dessus. Je les aime trop, cette pterodactyle. Ouais.
Elle veut faire comme dans Avatar, en fait. Elle veut... Prends le point d'interrogation. D'accord ? Ok. Maintenant, on fait start. Tu te mets au-dessus de la bague et tu la sélectionnes. Voilà. Et vas-y, fais un coup de poing. Oh, génial ! Ok ? Tu peux les avoir à distance. En fait, il faut que tu te fasses à l'inertie du personnage. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, le deuxième niveau... Enfin, tu le boucles facile si tu arrives à garder la moto jusqu'au bout. Regarde. Et t'avais pas tant d'argent d'avance que ça, hein. Fais gaffe. Donc tu peux y aller tout doucement si tu veux, tu vois. Non, mais... Ah oui, mais c'est vrai. J'ai peur, tu devrais... Je le savais. En fait, tu peux y aller tout doucement, la moto. T'es invincible quand même, tu comprends? Scorpion! Voilà! Il te faut la moto. Si tu veux avoir une chance de terminer mon défi, il te faut la moto. Au moins, le premier et le deuxième, tu sais que tu les passes les doigts dans le nez. T'auras juste à te concentrer sur le troisième. Voilà. Non, allez, grenouille. Allez, allez, grenouille. Allez, ouais. Ah, merde. Ta mère. Ah, minuit. Mets-toi sous la moto. Sous la moto, voilà. Alors là, prends pas de risque. Boum, coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. Elle s'engueule, tu sais. Ah, mais tu fais quoi? Mais non. Alors, elle dispute son cerveau. Hé, là-haut, là-haut. Voilà, là, tu sautes. C'est bon, t'as fini le niveau, Eva. Ça te fait quoi? Il fait caméraman, il met les poses, il fait prompteur, il souffle, il fait tout. Et... Alors, voilà. Eh ben, on est parti. Donc là, tu vois, il te dit... Tu dois choisir entre le papier, les ciseaux et la pierre avant que la musique se termine. Ok ? Donc tu vas avoir une musique. Ça se joue en 3 points. Tu fais la main ? Ouais. Ah bah nickel, touche à rien. Attention, il va faire quoi ? Les ciseaux ! Ah, t'as perdu ! C'est nul, il s'est mis le coup d'avance. Bah non. T'es bon, t'as gagné. Alors attention, tu choisis quoi? La feuille? Non, je sais plus ce que c'est après. T'as gagné, Eva. Bravo! Il a perdu! Eh ben écoute, tu viens de boucler le second niveau. Je viens d'avoir un sushi. Et tu viens d'avoir un sushi. Là, on se tait, concentration maximale, parce que tu passes ce monde, et je considère que ton défi est rempli, ok? Faut bien attendre le bon moment, timing. Ah, pec, ça passe. Celle-ci, c'est la même, mais t'as vu, elle est plus fourbe, hein, t'as vu... Ta-na-na, t'as perdu. C'est pas le game over, là. Oh. J'ai une question. Ah, il y a une question existentielle, attention, c'est oui. Pour le mental. Oui. Ta chemise, on la verra pas avec le fond. Comment ça? Ma chemise, on la verra pas avec le fond. Elle est bleue. Bah, mais ça fait foncer, quand même, vu que ça va être un petit... Mais qu'est-ce que tu dis? Ça c'est vert et ça c'est bleu. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est gris. C'est gris. Oui. Ouais. Oui. Mais non, il n'y a pas de fonte d'habitude, j'enlève tout ça. Tu vois bien que là, il y a le jeu là, de partout là. Nous cherchons un caméraman que nous allons payer cette fois-ci. On ne refera pas deux fois la même erreur. Ah, il y a bataille de ciseaux. Oh, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ah, t'es con! Yes! Bravo! Eh ben voilà! Tu l'as eu, il a implosé, il s'est transformé en sushi. C'est pour ça que je joue jamais à ce jeu, c'est trop dangereux. C'est ta dernière tentative, Eva, de boucler ce niveau, et là, je me tais, tu peux vraiment le faire. Oh, c'était chaud. Pas grave. Non? Oh, c'était pas du tout le bon moment! Oh, je voulais faire un point. Bon bah on a plus le temps Eva, je suis vraiment désolé. Ouais. Ah là là, dommage. Pas ma fleur. C'est dommage. Bon et bah Eva, c'est dommage, on n'a pas été très bons tous les deux, hein. On a même été très mauvais. Moi j'ai été pitoyable sur Sonic. Toi au moins tu avais une excuse, c'était la première fois que tu jouais à ce jeu. Tu auras quand même vu à quoi ressemble le troisième niveau, moi je trouve ça tout à fait honorable. Tu regrettes pas ta venue dans l'émission? Pas du tout. Bon, et bah impeccable. Eh bien écoutez, quant à vous, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça nous fait plaisir. Pensez à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.